Monde, j'espère que vous allez bien malgré la pluie, que vous avez passé une bonne journée. Donc, je voulais refaire une petite vidéo par rapport au bracelet, le deuxième bracelet que j'ai acheté l'autre jour, que j'aime beaucoup. Donc voilà, il est encore dans le sachet. Alors, voilà, je l'ouvre. Donc ben là, on a une nouvelle chose que je vous montre, comment je tiens le bracelet avec la main droite pour ne pas avoir besoin de poser le sachet. Et puis bon, je vais quand même le poser. Donc voilà. Bracelet que j'aime beaucoup, que je trouve très chouette. Donc, je vais le mettre. Alors, soit j'essaie d'y faire totalement avec une main, mais je pense que je devrais me faire aider d'autres mains quand même, parce que là, il veut pas passer plus. Donc voilà, je le fais bouger un peu. Donc de nouveau, hein, j'avais déjà essayé. Voilà. Il faut faire un peu des mouvements. C'est comme ça, c'est normal. Mais voilà, il est mis. Donc, voilà. On voit que ouais, c'est faisable. C'est assez facile dans un sens. Mais bon, on voit que c'est quand même un peu comme toute une embarcation, quoi. Et puis, de nouveau, ben, moi, je sens à droite que j'ai tout de suite le début de la douleur qui vient. Donc c'est bah, mettre un bracelet, je vais pas m'amuser à mettre 2, 3, 4 bracelets par jour, changer et tout, la douleur. Et puis je me souviens la première fois que j'ai mis ce bracelet, j'ai mis un plus longtemps pour comprendre comment fallait le mettre. Peut-être que j'étais déjà plus fatiguée, je sais pas. Mais tout de suite en ayant mis la première fois, j'ai eu très très mal. Donc tout dépend, hein. La douleur est quelque chose qui peut être très très présente, qui peut faire très mal, et puis ça conditionne la journée, ça conditionne les choses. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus ou de moins dans la journée pour se reposer, pour tenter de resupprimer cette douleur. Voilà, donc c'était mon deuxième nouveau bracelet que j'aime beaucoup, comment j'ai réussi à le mettre. Alors, bah, écoutez, je vous souhaite une toute belle soirée et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!